nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Prêche, rosée, descendez sur nous tous. Nous arrivons dans un moment annonce, nous, dans un moment rapport, nous matin, côté que sabbat dernier, nous avons ramassé $80 comme offrande dans l'école. Là. Nous avons rappelé tout le monde qui est dans l'école là, que l'enveloppe blanc qui est dans la poche, c'est la dalle pour nous mettre offrande. Toujours marcher avec offrande, parce que l'école là, pas qu'à marcher s'il n'a pas gagné toutes ressources. Si nous avons des ressources humaines, nous avons des ressources financières, nos besoins de toutes les ressources pour l'école là capable bien marcher. Maintenant, nous allons passer dans 5 minutes, nous. Et pour nous capable passer dans 5 minutes, nous matin, les titres comme ça. Pas oublier jeudi, c'est sabbat anniversaire. Ouais, écoutez que nous avons gagné un pile monde cap fêter. Matin nous côté que nous pral passer dans partie ça après mais matin là dans 5 minutes nous les titre comme ça la relation du disciple avec son maître nous tout qui là nous gagnons idée de ça ça veut dire un disciple et qui ça veut dire un maître et pour nous capable nous joignons verset nous matin dans 2 Timothée chapitre 2 le verset 2 côté que il dit et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres dans verset ça seulement nous avons réalisé que caractéristique un disciple faut qu'il ait capacité pour le bail message mettre lia pour qu'a confier à l'autre monde et nous pral wè la bible même li ba nous plusieurs exemples bien-aimés frères et sœurs qui illustrer plusieurs relations de plusieurs maîtres avec plusieurs disciples le nous wè Josué avec Moïse Moïse était le maître et Josué a été son disciple nous wè relation Élie avec Élisée nous avons une relation Timothée avec Paul et nous pour aller plus loin côté que nous pour joindre relation 12 disciples avec le grand maître Jésus. Une caractéristique important qui doit gagner, il faut que disciple lui décide de faire volonté maître lui et faut qu'il décide pour lui capable connait qui ça mettre livlé pas capable gagner un bon maître si disciple yo même yo pas bon et te gon moun qui te dit un jour relation disciple avec maître li tan kou yon aiguille avec yon fil côté que maître la li même li ses aiguilles et disciple la li ses fil la pour tout moun ki konn coude connait que ou si ou vle coude en rade ou besoin ni fil là ni aiguille. C'est ainsi que il était très important pour un maître dans tant longtemps dans pays hébreu pour que lui montre disciple là comment pour vivre avec maître lui. Et de ce fait, il finit apprendre vivre avec maître lui comment pour vivre avec l'autre monde. Ça, il était un bagage fondamental.
Ça y aurait les observations, un bon disciple supposé développer le sens de l'observation. Parce que c'est pendant que l'a observé maître lui, l'a capable de comprendre qui ça l'a fait, et lui-même tout, lui pral mettre en application tout ça que maître lui-même lui fait. Ainsi, le c'est vous-même qui mettez, faut que vous fassiez en sorte que ou dégager de bons exemples. Parce que Jésus lui-même, il te fait exactement ça, il te fait tout ça bon, afin que les disciples eux-mêmes, ils te rivent dans lui-même, que te un bon maître, et ils te épousé tout ça que ils te fait, et ils te fait même bagaille avec. Ellen White a été exprimé concept ça, elle te souligné que c'est une loi de l'esprit humain que nous capables à l'image de mettre nous, que nous mettre qui créer nous, nous capables de refléter caractère lui. Et pendant que Josué était cohabité avec Moïse, Josué t'a observé Moïse. Et il était fait même bagarre là pendant que il était cohabité avec Élie était fait même bagarre là, il était habité avec Élie. Pendant tout ça, tout temps ça, bien-aimés frères et sœurs, nous pas capable faire aucun doute que disciples eux-mêmes pendant ces 3 ans et demi que ils ont observé le grand maître Jésus. Côté que ils ont pendant que Jésus lui-même lui t'a accompli la volonté de papa, pendant que il t'est resté soumis dans volonté papale dans toute ça t'a fait pendant que il t'a fait des prières d'intercession, il t'est resté dans une relation constante et harmonieuse avec papa, il t'a invité disciple à faire même bagaille là et rester dans une relation harmonieuse constante avec lui. Et matin pasteur Louise Gela qui écrit 5 minutes ça, il développer avec nous 8 concepts qui pral permettre que nous vini sembler avec maître nous si réellement nous développer volonté pour nous capable de bon disciple. Premier concept là, il dit que chaque disciple doit gagner une communion spirituelle avec maître lui. Deuxièmement, il dit que la prière, l'étude de la Bible et lecture de livres de prophétie, c'est deuxième concept qui pral fait que nous rester en relation et sembler avec maître nous. Yon élève qui pas étudier, yon élève qui pas li, ou mettre en main folle ou sage, ou pas capable, et bien de ce fait, ou pas capable un bon disciple parce que faut étudier, faut li, faut connaître qui ça mettre gagner comme mission, faut connaître qui ça mettre gagner comme vision, et là ou même ou c'est un disciple ou partager mission mettre vision mettre ou capable avancer pour capable un bon disciple. Et troisième caractéristique de un disciple, il doit suivre exemple de maître li, même gens l'autre disciple avant nous même qui la jodia te fait. Nous ka prend exemple Timothée avec Paul, exemple Élisée avec Élie, exemple Moïse avec Josué. Donc tout le monde sa yo c'était des disciples, et les 12 avec Jésus qui c'est lui-même le grand maître. Matin moi pas gagne Timothée, moi pas gagne Moïse, mais nous voulons de vrais disciples de Jésus. Et quatrième caractéristique là, il dit que chaque disciple doit respecter maître. Chers frères et sœurs, si nous pas gagner la crainte de Dieu, nous pas capable respecter maître nous qui c'est Jésus. Si nous penser que en tant que disciple, nous gain capacité pour nous faire ça nous voulons, moi regrette ça. Matin, pasteur Louis l'y invite nous à gagner respect pour maître nous. Et cinquième concept là, il dit que chaque disciple doit tendre maître. Chers frères et sœurs, ou pas capable disciple Jésus pour attendre yon l'autre voix, parce que ou pral nan yon dilemme total, ou pas ka konn ki sa pou fè, ou attendre deux voix différentes, et nan deux a kwèm si nou vle gen yon la donne ki pa bon. Et en tant que disciple, nous doit attendre voix maintenant. Sixième caractéristique là, qui dit que chaque disciple doit mettre en pratique ça que li apprend de maintenant. Le nous vin là,
le nous la caille nous quel que soit côté nous hier tout ça que nous apprenons nous doit mettre en pratique qui va permettre que le nous dehors nous gain assez de bagages positifs pour nous émettre parce que en tant que disciples de Jésus nous doit refléter le caractère de Jésus. Septième caractéristique là dit que chaque disciple doit enseigner l'autre. Mission moi-même avec ou li pa l'autre bagaille. Il c'est aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père du Fils et nous doit enseigner yo. C'est exactement ça Jésus l'a invité nous pour nous faire. Et c'est mission ça qui c'est mission centrale yon chrétien adventiste du septième jour. Et huitième et dernier concept que n'a point matin, il dit que chaque disciple doit faire des disciples. Si nous en dans l'église là, nous pas jamais font disciple, nous mettre considérer que nous failli à mission nous parce que mission nous c'est amener des âmes à Jésus. Li différent, m'pa dit que pour nous convertir personne. M'pa dit pour nous faire mais nous dit nous mener, Jésus dit mener yo parce que convertir a li déjà gen plan pour ça. Faire moun yo baptiser a déjà gen plan pour ça. Mais moins avoir nous gagner comme mission pour nous aller dire yo que Jésus remet yo que gon bon Dieu qui te voyé puis il vient mourir pour nous et la tann nous pour nous capable venir joindre avec elle. Si nous prenons en compte huit concepts ça yo frères et sœurs, moi même avec au matin nous va de bons disciples et que au retour de Jésus au grand matin glorieux, nous va ensemble pour nous acclamer le Seigneur et sauveur sur les nuées du ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous on va passer dans révision leçon au matin avec frère Romulus Joseph et leçon pour trimestre ça c'était une belle leçon. Côté que il te permet que nous fassions un parcours qui sortit de la création jusqu'à côté que non Jacob changé en Israël, côté que nous voyons que Israël en Égypte. Frères et sœurs, pour moun ki te étudié leçon ça pour trimestre là, c'était vraiment une belle leçon et côté que nous te gagné chance sous ligne de prière là pour nous te tendre chaque matin étudier avec différents professeurs et matin nous pral gagne pour réviser leçon ensemble. Nous t'a étudié pour semaine ça leçon 13 qui gagne pour titre Israël en Égypte. Et nous te joignons verset à mémoriser dans Genèse 47, le verset 27, côté que lui dit, Israël s'installa en Égypte, au pays de Gozen. Ils furent propriétaires, ils furent féconds, ils se multiplièrent. Chers frères et sœurs, moi souhaitais que nous participions dans l'école là, et nous avons demandé aux professeurs pour être capables de vraiment permettre que les élèves posent 2 à 3 questions. Et n'a demandé professeur yo pour faire appel à la sagesse, pas grand ken question qui stupide, c'est dans l'école là nous venir pour nous apprendre toute question bienvenue, faire appel à la sagesse, on a répondre question yo parce que nous voulons que tout élève là vienne là pour yo content. Si on monde vienne Bethany samedi matin, on sorti fâché ou perdu objectif, nous tout doit venir là et sorti content. Que bon Dieu capable aider nous a quitté nous avec frère Romulus Joseph pour révision leçon un matin. N'avez vite chante nous yo pour chanter en couple nous dans numéro 138. Seigneur, mon âme soupire après tes divers parvis pour t'écouter et m'instruire à tes pieds toujours assis. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom, ô Père Dieu.
Frères et sœurs de Bethany, bonjour et bon sabbat. Amen. Ok. Ce moment nous qu'on y a au nom de Jésus-Christ, pour nous entraînons dans l'étude de l'école non pour matin. Nous ça a déjà fait introduction avec nous. Et nous te connaissons pendant toute semaine qui ça nous a étudié, li seulement rentrer dans le moment pour nous rentrer dans l'étude leçon en matin, Israël en Égypte. On nous dit des mots prières. L'Éternel Dieu des armées, papa nous qui vivons dans le ciel là, nous venons devant dans l'école pour apprendre de où leçon nous te apprendre pendant toute semaine de serviteurs. Abraham, Isaac, Jacob, spécialement pour semaine si là Jacob avec Joseph. Nous demandons qu'on va aider peuple ou aider non pas puissance le Saint-Esprit ou à bénéficier le meilleur de ça nous devons apprendre matin et pour le servir comme des pratiquants dignes de leur tâche. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Chers frères et sœurs, c'est là que t'en dit nous le matin, nous saluons tout le monde qui a écouté nous dans l'église là et monde qui a écouté nous en dehors l'église là partout côté où il y a à travers réseau Facebook et YouTube etc. Nous souhaitons bienvenue dans l'étude la matin. Nous connaissons sujet c'est Israël en Égypte. Verset nous gain pour méditer qui clé verset non pour matin hein? C'est Israël s'installa en Égypte au pays de Goshen. Ils y firent propriétaires, ils firent féconds, ils se multiplièrent. Selon Vaïsa et Genèse 47 verset 27. Laissons introduire pour dire nous que Genèse rapportait les dernières années de Jacob et de Joseph. Et spécialement, laissons ça que nous avons étudié là matin, rappelez-nous dernière étape de la vie de Joseph et de Jacob dans ses jours en Égypte. Bon Dieu, dès le commencement, Jacob pour rentrer en Égypte, Noé qui s'allait faire exactement pour aller joindre avec un petit le Joseph, c'était une grande joie, une grande satisfaction pour lui te rencontrer petit garçon ça qu'il te prend comprendre qui était mort, qui était perdu et le rejoindre encore. Premier leçon pour dimanche, dit non, Jacob va à la rencontre de Joseph. Nous connaissons les messieurs, petit Jacob, rentré, dit Joseph vivant. C'est Joseph qui a dirigé dans le pays. Et Joseph mandé pour le venir joindre en Égypte. Et il dit lui, mais tout matériau, char, transportation, que Joseph voyait Barou pour venir joindre en Égypte. Les Jacob gardait, il dit le causé, il prenait le rêve, mais là, il gardait toute préparation, ça, toute délégation, ça, il vient comprendre qu'il est en réalité. Jacob dit petit, il est vivant et il prêt à aller pour la louer avec des yeux. Quand Jacob a quitté Canaran, il a un grand espoir dans lui. Il t'a remé reconnaître qu'il est rentré en Égypte vraiment pour louer petit garçon là Joseph. Départ Jacob, c'est un grand événement, c'est l'accomplissement des paroles prophétie espoir que Abraham te baille, l'Éternel te baille à Abraham, hein, il va faire de lui une grande nation et il pral devenir père d'une multitude. Et toute nation sous la terre va bénir à partir de lui-même.
Et c'est exactement avec parole ça yo les Jacob quitté Canaran pour aller en Égypte, li fait une vision papa l'Éternel qui t'est apparaît à Abraham et à Isaac là vin côté li dans vision si là, li dit là pas peur pour retourner en Égypte, moi va mener en Égypte, Joseph va faire au content. Et ou va retourner encore vite dans le pays ça qu'on gain possession. So Jacob était bien content et l'Éternel t'a rappelé le sac à venir. C'est avec joie que l'Éternel t'a préparé Jacob pour t'aller et rencontrer petit li Joseph en Égypte. Nous joignons dit non Jacob installé en Égypte. Les Jacob arrivé en Égypte, li aller côté Joseph t'a fait délégation à diriger lui dans pays de Gozan. Les li rivé dans pays de Gozan et Joseph lui-même a rencontré papa. Yo dit non, c'est avec joie que Joseph t'a jeté lui dans bras papa lui et monsieur t'a passé un bon bout de temps dans embrassement ça et yo t'a crié de joie. Les yon t'a wè l'autre Jacob dit l'Éternel vivant, moi te pensé ou te mouri, pas jamais consim ta voix. Jacob dit tête li kon y a met mouri parce que moi petit moi Joseph si là que m'te remet. Et li prend cinq nan messieurs frèlio parlant de Joseph pour le mener au devant Pharaon et li fait bouche yo qui ça pour y al di à Pharaon. Li dit yo les nous rivé devant Pharaon, on va dire nous c'est berger et berger, c'est un groupe de monde qui en abomination en Israël. Comme ça, on va mettre nos rete à l'écart, nous pas capable dans mitan égyptien. Et c'est bon que nous va tout établir dans Gozan. Et il fait bouche monsieur pour préparer au comme ça. Et on vini en Égypte, gon mot là qui dit, on vini en Égypte pour séjourner. On devine passer un séjour en Égypte. Yo pas allé pour habiter en Égypte mais yo devine pour passer un séjour et ça veut dire yo pas parti mais yo te voyager et c'est là yo devine là comme immigrant yo passé en Égypte yo rete en Égypte yo te comprendre famille ça te comprendre c'est un petit temps yo pral passer en Égypte. Comme l'Éternel te promet, Abraham et te dit, c'est juste ça que vous avez pour passer en Égypte là. Chers frères et sœurs, tout le monde connaît que c'est juste ça pour les enfants d'Israël de durer environ 400 ans. Et vous avez installé au vrai pour un bon bout de temps en Égypte. Nous, yo disons tout que Joseph te prend papa, Jacob, pour mener à côté Pharaon. Et dans le parallèle, Jacob te béni Pharaon. Et on dit nous que, en tant que roi en Égypte, Pharaon, c'est un prêtre qu'il te, c'est un master dans la bénédiction. Ça veut dire, selon coutume Égypte, c'est Pharaon qui t'a gagné pour béni Joseph, qui t'a gagné pour béni Pharaon, Jacob. Mais, Jacob, lui-même, lui c'est prêtre et Pharaon c'est prêtre, mais Jacob c'est un prêtre de un plus grand Dieu parce que Dieu Jacob là, c'est lui-même qui maître du ciel et de la terre et Pharaon seulement maître en Égypte. So sacerdoce Jacob là, plus grand parce que sacerdoce Pharaon et c'est comme ça. Et Jacob t'a gen c'est lui-même qui t'a gen pour bénir Pharaon et note de différemment. Et aussi, les Jacob t'est arrivé en Égypte, c'était un accomplissement que de promesse que Dieu t'a fait à Abraham parce que Abraham dit lui l'Éternel t'a dit à Abraham, il va y avoir une bénédiction pour toutes les nations, toute nation la terre va béni dans petit lien dans postérité lui et le fait que Jacob petit Abraham béni Égypte c'est comme un symbole
des promesses que bon Dieu t'a fait à Abraham, que petit li descendant lio va yon bénédiction pour toute nation sous la terre. So Jacob t'a établi li en Égypte et nous joignons Konya gen deux étapes de l'autre bénédiction encore que nous joignons qui était en mission Jacob. Jacob l'est arrivé en Égypte, il était béni petit Joseph. Yo. Bénédiction Jacob à petit Joseph, yo, te yon bénédiction spéciale et remarquable. Notez bien que là Joseph apprend que papa le malade pral mourir, il te mené petit lio devant papa pour le bénir et Joseph là li fin rivé devant papa li à genoux devant papa Manassé c'est premier petit garçon et Ephraïm c'est deuxième petit garçon et on connaît premier petit là doit recevoir yon bénédiction plus grand plus large plus spécial que deuxième nan qui reçu c'est comme ça là Joseph à genoux il nan devant papa Jacob pour le bail petit li bénédiction li mette Manassé à gauche li et li mette Ephraïm à droite li qui t'avine dit que en face li papa li Manassé ta à droite papal et Ephraïm ta à gauche papal en sorte que Manassé ta recevoir première et plus grande bénédiction. Mais Jacob fait un bagage extraordinaire. Jacob croise main, il met main droite li sous Ephraïm et main gauche li sous Manassé. Joseph comprend que puisque papa le parle bien et papa grand monde li un peu perdu tête li, se le retirer main papa li sous tête. Main droite là sous tête Ephraïm que papa a te croisé à pour remettre le sous main sous tête Manassé, mais Jacob refusé. Il dit, qu'on ça m'a fait, frère. Et ça, tout lui-même, il va y avoir une bénédiction, tout, mais bénédiction deuxième, non, la plus grande. Et c'est comme ça nous jouons, mystérieusement et symboliquement ou bien prophétiquement, Ephraïm, dans l'histoire spirituelle et descendance-là, l'intervine plus grand vrai que Manassé. Parce que Ephraïm, nous jouons Ephraïm, descendant Josué, c'est descendant Ephraïm, et nous connaissons Josué, c'est petit, petit Ephraïm, petit, petit Joseph. So c'est Josué qui devine un grand en Israël, qui devine une bénédiction pour le peuple Israël, un conducteur. Au contraire, pendant que Moïse t'a voyé Josué aller explorer, il t'a choisi une tribu Ephraïm, non? Non, Josué, originalement, c'était Osé, mais Moïse, l'elle te voye comme espion, il change non, il est le Josué. Non, Josué, ça avait dit libérateur ou bien sauveur. Nous avons trois grands types, si nous t'a privé là, dans l'histoire d'Israël. Josué, c'est un type qui symbolise sauveur, même j'ai avec Jésus-Christ, même j'ai avec Moïse et même j'ai avec Joseph. Ça veut dire nous avons trois grands messieurs qui symbolisent la mission que Jésus a gagné pour venir remplir sur la terre plus tard. So Jacob te béni petit Joseph yo. Et deuxième bénédiction que Jacob te bail, il te béni tout petit li yo. Mais gon bagay, là n'a regardé pour nous les Jacob a béni 12 petit li yo de Ruben jusqu'à Benjamin et petit Jacob, petit Joseph, yo, n'a pas gardé un bagage extraordinaire. En tant que un homme de justice, c'était Ruben, en tant que premier petit Jacob, qui t'a dû recevoir prééminence là, et recevoir première bénédiction. Mais Ruben, papa, dans bénédiction, papa dit Ruben,
ou même qui tête secueil moi, on il pas dire comme ça dans mot ça moi mettel, mais ou même qui premier fruit entraille moi, moi pas rentrer dans bénédiction ou perdre bénédiction ça parce que t'es souillé et couche papa ou parce que nous connaît Ruben t'es couché avec une maman petite Jacobio, sous lui perdre bénédiction ça. Et deuxièmement, c'était Siméon avec Lévi qui t'a dû recevoir bénédiction deuxième. S'il pas joine, si Ruben pas joine, Lévi t'a joine, Siméon t'a joine en train de deuxième et troisième. Mais nous connaissons dans colère, content et moun sichem yo qui t'a violé sœur Odina, yo t'a fait un bagaille et yo t'a commis un grand péché, un grand crime. Yo te al tué nan kolè yo injustement moun nan peyi et Kanaran peut-être pour yo venger Dina et yo te tué moun monsieur yo malhonnêtement crime sa papa te condamné li et c'est comme ça c'est juste quatrième petite là qui te recevoir premier bénédiction que trois l'autre monsieur avant ou ta d'joine c'est Judas. Et c'est comme ça nous joignent que Judas vini moun qui recevoir qui porte maillette là comme descendant spécial de Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est comme ça nous joignent qui grand événement qui tombé sur Judas. Judas vini petite promesse là, li vini chef là, c'est la donne Messie a sauti, le lion y aurait le lion de la tribu de Judas sauveur. Messia, c'est Jésus, c'est Judas qui vient recevoir en tant que papa David. So Judas te vient porter ma être là comme étant lui-même qui porteur de bénédiction que Ruben en tant que premier petit Jacob d'adorer recevoir à cause des péchés l'île perdue. Et l'espérance de la terre promise qui conclusion passage là. Nous joignons que il y a trois grands événements et bénédictions que nous joignons dans dernier partie dans espérance de la terre promise là. Nous joignons que les Juda et Israël parlant de Jacob quitter l'Égypte, il vini avec bénédiction ça, il portait en conclusion trois grandes bénédictions. Première bénédiction, c'est que lui-même qui t'a rencontré comme un porteur de l'espérance de la terre promise, ça veut dire la terre que l'Éternel t'a promis à Abraham, que petit lio va mettre lia, va posséder la et Canaran, eh bien, qu'on y a nous joindre que Jacob t'a obligé quitter Canaran pour aller habiter en Égypte. Ça veut dire c'est comme s'il quittait terre de bénédiction pour aller là-dedans. Mais ça arrivait, nous joignons tout grande bénédiction qui arrivait encore. Jacob t'est allé en Égypte non pour déserter, perdu, quitter espérance prophétie, mais pour accomplir plan bon Dieu dans grand projet qu'il dégaine pour toute nation. C'est en préparation, c'est comme si en formation que peuple a allé pour devenir ça ou doit devenir en Israël. Et deuxièmement, nous avons l'espérance qui t'a changé peuple Israël là après la mort et l'ensevelissement de Jacob. Jacob t'a joint promesse bon Dieu pour même l'élite en Égypte, l'été fait Joseph sémenter pour te retourner l'amoli encore en Israël. Et c'était un grand événement. Les Jacob, Joseph, te prend en pile char, en pile grand officier en Égypte. Monde qui t'a gardé, lors Jacob, Joseph, rivé sous frontière avec papa, li campé là, li fait un grand festin, un grand deuil de 7 jours avec papa, li une grande célébration. Et monde dans zone qui t'a gardé, dit comme ça. Ça, c'est un grand Égyptien, enterrement ça, que vous gardez l'Oueli. Et Joseph te mené papa, li retourne en Égypte pour Zoli. Et Joseph tout lui-même, te à la mort par lui, te baille peuple là, te baille frère, li yon responsabilité.
dit bon Dieu va visiter nous. L'aime mourir, nous va prendre Zomain, nous va retirer Zomain en Égypte pour aller avec lui parce que bon Dieu gain pour sortir avec nous dans pays ça quand même. Et l'en a sorti même Zosman pas quitter. Pour qui ça? Joseph pas fait même Jean fait même promesse ça avec Jacob pour lui te faire al poté enterrement tout à l'enterrer dans pays l'Égypte. Li pas facile parce que Joseph lui-même pas dans même statut en Égypte avec papa. Joseph c'était grand premier ministre en Égypte. C'est lui-même qui était chef après Pharaon. So Joseph c'était un couillon homme qui était là naturalisé égyptien qui était un deuxième personnage en Égypte. Li pa ta kapab mouri pou ta bal enterrement sa nan peyi l Jean ote bal et papa la parce que Joseph se yon officier spécial égyptien qu'il te. Nou même l'el te fait festin pou frèl yo te chita manger à pas et li même li te oblige kon y a chita manger à pas li pa kapab chita sou même tab avec frèl yo nan festin qu'il te ofri yo la kailia pour manger. Et comme ça nous joigne, c'est Joseph qui était image de la foi de promesse que bon Dieu t'a fait à Abraham. Parce que Joseph t'a dit monsieur, yo va gain pour quitter Égypte quand même. Et là yo quitté pour pas quitter Zoli en Égypte pour déplacer avec Zoli. Ça c'est une promesse de la foi. Hein, yon signe qui montrait que gen moun ki kwè nan sa bon Dieu te di à Abraham, à Isaac, à Jacob la. Et c'est comme ça vrai. Le nou li nan chapitre 13 d'Exode, nan verset 19, le Moïse ap soti, yal chèche kote Joseph ye, yo soti avèl. Et ça son grand événement, chers frères et sœurs. Pour wè que Moïse parti avec Zoa. Et Moïse fait 40 ans dans le désert. N'a pas demandé qui moun qui était responsable pour kembe paquet Zoa nan men yo, nan yon sac ou bien nan yon boîte côté ou te mette là pendant 40 ans ça. Peut-être premier moun qui était sorti avec Zoa Joseph yo, getan mouri. Nou pa konn combien moun qui getan mouri qui était qu'on a porté Zoa. Mais pendant 400 ans, et 40 ans, yo fait dans le désert, Zoa là li pa perdu. Yo allé avec et nous joignent les Josué rentrés dans Canaan, les nous lit dans verset 32 à dans Josué 34, nous joignent à Sichem côté Jacob te ba Joseph comme héritier, c'est là Zo Joseph allait enterrer qui montrait que espérance promesse que bon Dieu te bail là moun qui croit là dans te accompli, yo allé sous tes promises là. C'est là, chers frères et sœurs, n'a prêté, nous avons des gens qui croient dans bon Dieu. Je dis à tout, même Jean avec Abraham, Isaac, Jacob, même Jean avec Joseph, bon Dieu promet nous une terre de promesses que nous devons aller là-dedans. Même Jean que malgré difficulté et malgré misère en Égypte, dans déportation, en exil, et nous jouons abondance. Que Joseph te promette Pharaon qui va gagner en Égypte là, ça c'est un symbole tout de grâce et de bénédiction. Un jour après tant de misère que peuple bon Dieu va passer sous terre ça, que non sous terre ça comme étranger, mais un jour bon Dieu va mener nous dans terre de promesse noire, dans lieu d'abondance noire, parce que bon Dieu promet nous ça et tout événement ça yo, c'est signe que ça bon Dieu te promet là, li va accomplir. C'est là m'a prêté dans la leçon en matin, hein? Et di non di nem ka pran yon ou de aussi au coup trois questions. Ce qu'on y a m'a demandé qui gen moun ki gen yon question ou bien capable ba yon question, yon lumière que non pas fait sortir, et si gen un monde qui t'a fait lumière ça sorti, nous ouvri porte là-bas ou so en assemblée, nous gen la parole qu'on y a. Il y a un frère qui lève main là. Non, nous avons la parole. Vous mettez campé, posez question, bien faire lumière que vous voulez faire sortir. N'a pas de fou font camper, tant que vous portez micro bas.
Encore une fois, bonjour l'Église. Nous félicitons le présentateur pour la deuxième leçon. Et remarque-moi, c'est que tout au cours de ce trimestre, nous avons 13 leçons. Il a plus facilité les membres de l'Église pour être capables de faire un coup d'œil des premières leçons jusqu'à la 13e leçon. Et leçon trimestre, ça a montré la fidélité de Dieu. Et Dieu tient toujours sa promesse. Vous avez dit un bagage que selon l'idéologie, vous me respectez. Mais en dedans tout ce dit, en parlant de Joseph, statue en Égypte, vous dit Joseph pas capable de m'aider à enterrer quoi et du côté des Canaan. Oui, Joseph est capable. Ce n'est pas statue Joseph qui peut faire. Et je vais souligner très bien un bagage important. Côté Joseph, renforcer promesse bon Dieu à frère. Côté Dieu, bon Dieu a venu visiter nous. Automatiquement, ça, c'est une preuve tangible pour le peuple bon Dieu à reconnaître que, en vérité, il a retourné dans la promesse bon Dieu. Parce que, dans Genèse chapitre 15, verset 12, côté bon Dieu dit Abraham, m'a fait une grande nation. C'est à partir de là, bon Dieu prend Abraham et il dit m'a fait une grande nation, peuple ça, pour aller esclave une autre nation. Et peuple ça, il pour passer 400 ans en captivité du côté d'Égypte. Donc, Joseph montre une certitude, nous mettre ferme confiance. Et c'est ça fait même Joseph mandé quitter quoi ça, les nappes remontées. Pour nous capables de monter avec. La question par maintenant, c'est que nous avons dit l'Église là, dans Apocalypse chapitre 7, le verset 4 à 8, nous avons absence de deux tribus, Ephraim et Dan. Alors que dans la bénédiction, nous avons que bon Dieu était Jacob béni, 12 tribus. Pour qui ça? Nous pas joindre Ephraim et Dan. Dans les 12 tribus du Nouveau Testament. Merci. Ok, frère, moi, nous avons un petit problème tout petit avec la question, là, parce que nous ne sommes pas capables d'élaborer nos trop dans la réponse non à la question là, de yon bagay qui part dans les sons dont nous avons étudié là. Le fait que ça, c'est question de prophétie qui va venir dans longtemps, bon Dieu fait aller pour nous jouer dans. Apocalypse, c'est si nous avons fait l'étude sous prophétie, sous événement, peut-être ou capable de dire tout dans 12 tribus d'Israël, parce que nous comprenons que nous avons posé la question pour demander, nous avons parlé des 12 tribus d'Israël, non pas joué une tribu de Lévi comme parmi les 12 tribus. Peut-être c'est ça qui t'a attiré l'attention nous et nous avons répondu aux questions pour dire que Joseph, te recevoir dans bénédiction là avec petit Léo Jacob te prend comme petit au même droit avec Ruben Simeon Lévi et c'est peut-être ça les Joseph vient mourir non li pas cité soit cité Joseph comme parmi les 12 fils d'Israël ou a joindre mais là ou cité les 12 tribus d'Israël ou pas joindre tribu de Joseph ni ou pas joindre tribu de Lévi. Parce que Simeon et Ephraim avec Manassé viennent compter comme tribu, ça veut dire comme petit direct d'Israël. Et c'est comme ça nous joignons tribu de Ephraim et tribu de Manassé, remplacer Joseph pour faire 12 là. Et tribu de Lévi, Lévi c'est une tribu spéciale qui vient traiter comme une tribu sacerdotale qui pas même héritage en Égypte. Qui pas traité parmi les 12, li parmi les 12 fils, mais non parmi les 12 tribus, c'est tribu sacerdotale. Mais pour entrer dans pour qui ça donne avec Ephraim, et c'est ça donne avec Ephraim, pas dans les 12 tribus des prophétiques, des Apocalypse, nous ta compte sujet ça, non pas la donne, mais c'est un sujet qui a un rapport avec prophétie. Si nous ne pas rentrer là-dedans, nous regrettons la situation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'autre question?
N'a prend yon encore parce que frère a élaboré en pile, nous obligé ballon longue réponse. Est-ce que gon moun ki gon l'autre question? Si pas gain, n'a pas marché. Met marché? Ouais. Merci, m'kwè tout moun te satisfait, tout moun te content. Son n'a passé direction l'école Sabalé son, gen yon frère qui levé main. Oh, ok. Réponse. Ok, frère, nous avons une seconde. Ou bien qui t'aime ta fèl. Raison que fait donne avec Ephraim pas cité, les nous gardons dans la déportation Israël pour aller en Assyrie. Tribu d'Ephraïm sont tribu qui t'est gaillé, qui t'est venu un peuple maudit, qui t'est débat Israël, qui t'est désordonné, qui t'est entré dans l'idolâtrie, et c'est peut-être ça l'hypacité. Peut-être nous quoi comme ça. Ou bon, bon réponse dans non même parce qu'on connaît. Pour qui ça nous va venir dans là dedans? Yeah, c'est peut-être ça. So, dans la raison prophétique, des tribus ça y t'es souillé peuple bon Dieu et nous connaissons, dans une tribu, l'Éternel apprend, la prend si là où qui est pur là, il pas prend si là où qui est impur. So, Ephraim, tribu d'Ephraim, son tribu qui était la gueule dans des ordres. Au contraire, l'on a parlé de peuple Israël là. Israël, l'autre distribua en Israël, et d'un côté, dans le royaume divisé, c'est Ephraim, il y aurait les tribus divisées. C'est peut-être ça. Les vignons, tant qu'il y a un peuple maudit. Et c'est une raison tout que Dan, l'idée non, les peuples à tapsoti en Égypte, tribu Dan nan tout est fait en bagay et désordre, yote souillé peuple là, et c'est peut-être ça, des tribus ça ont pas figuré dans 12 tribus israéliennes parce que l'Éternel comptait yon distribution, yon héritage de yon peuple qui pur. C'est peut-être ça, des tribus ça ont considéré comme tribu qui impur, yon pas cité. Merci frère. Est-ce qu'on est satisfait? All right. Ok, merci. Que bon Dieu bénisse. École Sabab continue matin. Comme c'est déjà annoncé, nous allons passer dans le temps. Nous avons pour nous honorer 3 mois, avril, mai, juin. Jusqu'avant que nous commencions à honorer le temps, nous allons citer tout le monde qui a fêté dans le mois de juin et qui a pour nous fêter dans le mois de juin. N'a demandé nous prêter attention nous s'il vous plaît. Merci. Nous gagnons sœur Nicole Bayol Pierre 1er juin. Nous gagnons sœur Clotilde Clérisier 7 juin. Nous gagnons frère Darlene Terméus 7 juin. Nous gagnons sœur Kathleen Jean 10 juin. Nous gagnons sœur Kedina Jean 10 juin. Nous gagnons frère Kedino Jean 10 juin. Nous gagnons sœur Amanda Jean-Louis 10 juin. Nous gagnons sœur Martine Desino 10 juin. Nous gagnons frère Yvelson Joseph 11 juin. Nous gagnons frère Patrick Alcino 12 juin. Nous gagnons frère Johnson Jean-Charles 12 juin. Nous gagnons sœur Edith, sœur Claire Edith Alcide 15 juin. Nous gagnons frère Joseph Fritz Demesme 14 juin.
Nous gagnons frère Junior Lubeus, 14 juin. Nous gagnons sœur Chimène Termeus, 15 juin. Nous gagnons frère Idovic Aimable, 19 juin. Nous gagnons sœur Natide Setout, 20 juin. Nous gagnons frère Enides Louis, 20 juin. Nous gagnons frère Wismic Vilse, 22 juin. Nous gagnons frère Ben Bozieu, 23 juin. Nous gagnons sœur Léane Jules, 24 juin. Nous gagnons sœur Marie Bossou, 26 juin. Nous gagnons frère Peterson Sirius, 26 juin. Nous gagnons sœur Ralphine Ville, 28 juin. Nous gagnons sœur Kenya Joseph, 28 juin. Nous gagnons frère Jean-Fito d'Orsainville, 28 juin. Nous gagnons sœur Junette Gentilné, 29 juin. Nous gagnons sœur Carmen Gédéus, 29 juin. C'est tout le monde ça que nous gagnons qui t'a fêté dans le mois de juin. Et maintenant, nous allons passer avec fête en avril. Mai, juin, n'a demandé tout le monde qui est assemblé pour être capable de camper et l'école sabbat est capable de pour être capable d'honorer. Merci. Les fêtes du mois de juin, avril, mai, juin, mettez-nous camper côté que nous chita. Pas hésiter, camper. Toutes fêtes, baptême, naissance, mariage. Tout le monde qui connaît, soit que nous t'es fait dans mois ça yo, nous baptiser, nous marier, nous mettre campé. Pendant ce temps, nous avons demandé à Frère Lamotte pour le capable avancer, pour le prier, pour faire tant pour nous. Merci. Frère Lamotte. On a demandé tout
peu de temps pour être capable de camper. Pour nous prier, l'église est capable de s'incliner contre nos chita. N'attend mon yon, si j'en pas marché encore. Pour nous prier. Moi, je mets à genoux. Notre Père et notre Dieu, ou même qui grand et qui habite dans le ciel là sous trône. En ce moment, tout à fait particulier, en ce jour de sabbat, le dernier du mois de juin 2022, nous prenons plaisir pour que nous soyons capables de bénir, louer, exalter et vénérer pour soyez. Et pour ce faire pour nous. Alors que nous réunis pour nous capables d'adorer ou et nous avons plusieurs frères avec soeurs nous qui avaient fêté le mois d'avril, mai et juin. Jusqu'à cette présente minute, ils sont encore vivants. Et nous avons deux années qui sont passées. Côté nous avons vivre dans un moment qui était tout à fait spécial. C'est une maladie qui a ravagé le monde, mais. Frère avec soeur, nous savons. Permettre que vous ayez envie encore ce matin. Donc, nous élevons voix nous, ensemble avec voix par vous, pour nous capables de dire béni soit l'Éternel. Gloire au Dieu du ciel qui encore conservé dans vous-même le souffle de vie. Nous avons supplié pour que vous capables de permettre de comprendre par vers ça que vous faites, que vous avez mérité. Et pour être capable de prendre la décision pour tout reste de la vie, pour consacrer à vous-même dans le service, et à n'importe quel moment donné, vous avez passé de la vie à trépas, vous êtes capable de gagner le salut. Et nous demandons vous capable de bénir l'église, nos frères et sœurs de partout, côté où vous êtes, vous capable de bénir aussi. Dans des cris que nous, restez avec nous. Par-dessus tout, donnez-nous le salut éternel. En Jésus, nous te prions, lui qui vit demain au siècle des siècles. Amen. Alors, bonne fête à tout le monde. On l'autre fois encore, on a demandé à tout le monde qui a fêté avril, mai, juin, un anniversaire quelconque, tel que mariage, naissance, baptême, que si gagne nous qui fait rentrer, que nous capables de camper pour nous capables honorer nous. A gagne encore, n'a demandé si gagne bon monde qui fait rentrer, qui t'a fêté dans mois ça yo pour capables de camper. OK, merci et nous souhaitons à tout le monde ça un joyeux anniversaire. Et maintenant, nous pourrons passer dans offrande 13e sabbat nous. N'a demandé avec ancien Walson Saint-Elo pour le capable rejoindre nous sous Cherlan. Merci. En attendant, pour nous ramasser offrande, nous prenons pour nous chanter ensemble deux chants. Premier, c'est 261, nous avons chanté le Chita. Et dernier, qui est 535, nous avons campé pour nous chanter le dernier chant. Et après, nous avons gagné deux psaumes capables par Sœur Edna Pierre-Louis. Premier psaume, c'est 119 et psaume 120. Psaume 19 et psaume 120, deux psaumes, nous avons campé. Nous avons demandé avec Chantio. Poisson, merci. Jusqu'avant que Chantio avance, nous avons gagné Frère Walson Saint-Elo qui va présenter nous quelques mots.
pour dans circonstance là. Merci. Chers frères et sœurs, bonjour. Et juste avant, n'a pas excusé, non, juste avant que me fait intervention, n'a passé des mailles avec pasteur l'église là, pasteur Donald, côté que il y a quelques informations, il t'a remis partager avec nous juste avant les déplacer pour aller à Jérusalem. Merci. Présidents, mesdames et messieurs, bonjour. Attendez bien, nous avons une tristesse, c'est vrai, nous ne pas mourir, nous vivons toujours. Frères et sœurs, membres de Bethany, bonjour. Nous disons bon Dieu merci le fait que les Québécois ont envie, avec même esprit, même espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ que nous gagnons, nous avons continué de travailler pour le Seigneur. Et moi remercie nous pour prier, nous, pour texte, pour faire un collier, et je connais que nous avons continué de prier pour moi. Alors le fait que maintenant nous avons un guest très spécial qui est avec nous, des petites cailles, et nous connaissons très bien, nous connaissons Frère Lécané Saint-Il très bien, c'est lui qui a prêché pour nous matin. Nous souhaitons que nous sommes capables de prendre ça, nous enjoy le message là, et que le message là capable de pénétrer nous, et que nous sommes capables de suivre la direction que bon Dieu voulait pour nous matin. Mais nous connaissons nous autres, nous faisons prêcher là en Jérusalem matin, mais nous ne sommes pas capables de s'allier Bethany. Moi, son génome en pile, je suis bien content. Sabbat prochain, nous avons toujours une Sainte-Seine. Moi, pas là pour me battre Sainte-Seine. Hein? Mais, Dr. Nicolas Louis avait une Sainte-Seine pour moi. Et aussi que, Nathan, après service là, après midi, nous avons une cérémonie de baptême très spéciale. Et que déjà, préparer que nous, pour nous capables, quitter bon Dieu, en bas nos directions et que, nous capables de supporter les gens qui baptisent. Déjà, nous disons merci et nous apprenons encore plus tard que bon Dieu bénisse nous. Chers frères et sœurs, et c'est toujours avec contentement, moi-même chaque l'heure, moi j'ai l'opportunité pour que je sois capable de camper derrière mes cours ça là. Et non seulement je camper derrière mes cours, mais je respirer, bon Dieu fait grâce. Et le nous voyons que nous levons, bon Dieu les renouvelle bonté pour nous. Et puis, liban nos possibilités pour nous capables venir là en chair et en os pour que nous capables glorifier c'est pour nous dire béni soit l'Éternel. Et n'a enchaîné avec moment école sabbat. Et nan minute que m'a parlé à moi que nous gagnons en pile zanmi visiteur qui est avec nous la matin. Et n'a demandé tous zanmi visiteurs qui là pour capable font petit camper pour nous s'il vous plaît. Et nous gagnons sœur Victor Wousley Rose Ouidji. Et nous demandé tous les autres amis visiteurs que nous n'avons pas gagné pour nous faire un petit camp et nous capables de saluer, s'il vous plaît. Amen. Nous avons tous les membres de l'église qui font un petit par derrière et puis nous avons une quantité de visiteurs nous gagnons avec nous matin. Amen. Amen. À nous tous les amis visiteurs qui quittent l'occupation nous matin pour nous capables là. Moi souhaite nous un cordial bienvenue dans le programme nan, et fait place côté que nous chita place régulière nous pour que chaque sabbat nous capable venir pour nous venir adorer bon Dieu. École sabbat, nous dans 13e sabbat. École sabbat dans toute l'église adventiste li gen yon but. But a c'est mener mon vini l'église et spécialement jeune nou yo et ti moun nou yo
C'est dans l'école que nous venons apprendre. Mais l'école, si là, il n'y a pas même gens avec l'école côté que ou aller apprendre ou aller pour faire études classiques ou bien tout pour faire l'école pour faire études professionnelles. Par exemple, ou aller dans l'école côté de faire études classiques, après chaque chapitre, côté que vous faites révision et puis vous bon sort un petit test pour que vous voyez ça côté apprendre deux chapitres là. Et si nous retournons en arrière, nous allons aller la caille nous. N'a pas manqué côté que chaque trimestre on sort d'examen qui fait. Et bien dans l'église adventiste année elle est répartie en quatre trimestres. Chaque trimestre on gagne 3 mois là-dedans. Dans 3 mois ça gagne 13 leçons que nous étudions. Et leçon si là yo le nous arrivé dans 13e leçon. Et bien dans l'église adventiste nous avons une sorte de tradition pour que nous soyons capables de célébrer le trimestre. Là. Et nous faisons une révision générale de tout ça que nous avons étudié pendant le trimestre. Là. Et c'est ça qui fait que, frère Max, moi, je m'ai encouragé non, pour que pour nous soyons capables encore de retourner dans l'ancien sentier. Parce que pendant que je dis ça moi-même, il y a un chef de poule qui monte sous comme. Pour quelle raison? Parce que le map levé tout petit dans l'église adventiste, dans tout petit monde, c'était, ou attendre qu'il est pour le deuxième sabbat arrivé. Ou attendre qu'il est pour le deuxième sabbat arrivé. Parce que, et 13 leçons ça y est, aujourd'hui c'est petit monde, c'est jeune. Même les que parents ont écrit et versets de mémoire là, à tout texte là. Mais là qu'on n'est pas que là pour venir dans 13e ça va ou habiller là ou on y a pas belle tirade neuf là pour habiller. Eh bien frère Max moi petit texte ça verset ça les tourité dans mémoire pour jusqu'à ce grandi. Côté que tradition ça l'homme fait vienne bétanité n'était qu'on veut le fait oui mais après ça vienne rester nous perdu tradition ça nous pas quitter nous perdu. Et si n'a pas rentrer pour offrir d'école ça va. Si que école ça va gagner mission pour que c'est prêcher l'évangile. Mais les jeunes, surtout Simon, parce que ça me dit, je vais m'insister sur lui. Parce que Sir White, dans témoignage pour l'Église volume 2, chapitre 79, page 649, n'a pas joué que Sir White lui parlait de ça. Côté que, dans chaque sabbat, il y a un bulletin là qui lit l'Église, là, est pas vrai? Est-ce que nous comptons des bulletins? Yo? Ok. Moi-même, il y a deux bagages qui ont attiré l'attention dans le bulletin, parce que je me présente des bulletins tout le temps. C'est partie d'évangélisation, hein? Côté que le ça nous dit go amen, n'est pas vrai? Et puis deuxième partie, c'est côté offrande ça après aller. On partit dans offrande 13e sabbat parce que et travail ça que vous faites, vous prêchez l'évangile, mais gen dans monde ça yo, côté que vous pas gen côté pour vous adorer. Gen dans monde ça pas gen l'école pour vous fréquenter. Et chaque fois là n'a répété pas tradition, nous parler de université d'Haïti, nous parler de Dikini. Sont partis dans l'offrande 13e sabbat, qui te fait que tu as un commencement pour l'université, pour Dikini. Et monsieur, cela veut dire que, fais plan, chers frères et sœurs, vous allez ramasser l'offrande 13e sabbat. Et nous ne devons pas gagner un gros quichoy pour ça, mais pas là, gros grand dollar. En nous fait effort, parce que je me songeais que sous pasteur Josué Innocent, ça a été fait l'église là, côté que pasteur a insisté, chaque sabbat, mettons un dollar en côté. Et puis, dans le 13e sabbat, on a vingé 13 dollars. On a vingé 13 dollars. Ce que moi-même, moi fais, et je viens avec cette enveloppe là, si on a plus que ça, on a plus que ça. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que ça a dans la mémoire, nous, chaque 13e sabbat, chaque sabbat, mettez 1 dollar en côté. Et puis, dans le 13e sabbat, on a vingé 13 dollars dans l'enveloppe là. Et puis, nous croyons que l'offrande là, libre aller dans tout côté qui a besoin, le travail là, fait. Et puis, œuvre nous, à continuer. Et bon Dieu, la continue de verser bénédiction sur nous en abondance. Merci, bon sabbat, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse tous. Thank you.
C'est aujourd'hui le 13e samba, apporter amis de grosses offrandes dans la maison de l'Éternel pour qu'il y ait de la provision. Chantons le cantique nouveau, louons, bénissons l'Éternel. Louons, bénissons l'Éternel qui nous a donné Jésus-Christ. C'est aujourd'hui le 13e sabbat. Apportons, amis, de grosses offrandes dans la maison de l'Éternel pour qu'il y ait de la provision. C'est aujourd'hui le 13e sabbat. Apportons, amis, de grosses offrandes dans la maison de l'Éternel pour qu'il y ait de la provision. Chantons, chantons le cantique nouveau. Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce
aujourd'hui le bonheur qui s'ébat et la vie éternelle. Voilà ce qu'il promet à ceux qui laissent la vie. Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? 535. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix et se lève à la lumière qui rayonne de ta croix, qui rayonne de ta croix. Après la position ça, nous pral mande nous capable de camper par respect pour la parole de Dieu et nous pral li ensemble dans le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit.
à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Elles éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Elles sont tout justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Amen. Nous allons continuer à lire, nous allons lire le psaume 120. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du genêt. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Merci, rassoyez-vous et n'a demandé à ancien Pierre, lui, capable. Gardons cette même position, merci, pour une courte prière. Baissons la tête. Notre Seigneur, notre Dieu, nos âmes te bénissent, éternité en éternité, tu es Dieu. Tu nous as convoqués ce matin avec une main obéissante, que main sa capable bénir d'une bénédiction spéciale. Encore une fois, Seigneur, merci. Pardonnez-nous et fais pour nous au-delà de nos mérites et département sa école du sabbat. La demande va bénir directrice, bénir chaque monde qui fait partie de département sa. Ainsi, dans nos pères des cieux, le jour J, nous va prêt ensemble, on a la clameau sous la mer du verre. Tandis que nous pardonnons les péchés, nous, dans le sang de Jésus, à lui ce soit la gloire, dès à présent, au siècle des siècles. Amen. L'école là voulait remercier tout le monde qui te permet que l'école là était possible matin. Et dans ce moment ça, nous gagnons une pensée spéciale pour notre bien-aimé frère Néhémie Belko qui part avec nous matin. Notre sœur Fabiola et tout le monde qui gagne un problème quelconque, l'école là gagne une pensée spéciale pour nous matin. Nous t'a étudié trimestre dernier la création et trimestre ça nous allons étudier dans le creuset avec Christ. Et première leçon, nous jouons un titre comme ça, le creuset du berger. Et nous jouons un verset à mémoriser dans Psaume 23, le verset 3, côté que lui dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'école là remercie nous tous qui étaient là matin, elle remercie les élèves et professeurs, elle a encouragé nous étudier parce que pas gagner réussite sans étude. Et l'école là sorti dans l'air là, nous avons rendez-vous pour sabbat prochain pour un autre programme. Que le Seigneur vous bénisse.
Bonjour l'Église. Nous arrivons dans le moment annonce avec information religieuse. Nous avons demandé de prêter attention pour l'annonce que nous avons pour le matin. Nous avons commencé avec penser ce matin. Nous jouons dans Proverbe 3, versets 5 et 6, qui dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » En créole, « Mettez toute confiance en le Seigneur, pas garder sous ça où qu'on est. Toujours changer, c'est y en a tout ça fait, lui-même l'a montré où chemin pour prendre. » Nous gagnons annonce diaconat dans liste annonce que nous gagnons annonce activité d'église et coin des fêtants. Mais avant même que nous passions dans toute annonce à yo, n'a cédé micro avec directrice nous sur Saint-Coul, directrice Doka qui gagne des annonces pour nous. Frères et sœurs, bonjour. Comment se maintenant t'es? Nous disons bon Dieu merci, il fait nous grâce matin pour nous capables d'assembler. Nous venons par gloire, honneur, louange que lui-même celle de mérité. Nous connaissons depuis là qui ça me vient faire. Bon, où maintenant ma bonne manger? Ma bonne nous manger. Je dis en venir pour nous capables passer enveloppe. Yo. Parce que chaque en quatrième sabbat, nous toujours fait ça. Premier sabbat, pour nous capables de ramasser offrande là. Je dis, je voulais dire nous. Je dis nous, chaque qui là, c'est un doka. Nous mettons nous ensemble pour nous capables de faire travail là. 16 juillet, doka pour un programme. Nous connaissons doka pour qu'à travail. Sans nous pas fêter ensemble, sans nous pas manger. M'a demandé nous chaque qui là. En nous mettez main nous ensemble. M'a pas demandé nous en pile, ça nous gain. M'a quitté nous avec décision nous. Si son diri nous cabaille, si son l'huile nous cabaille, m'a pas demandé l'argent seulement, ça nous gain. Parce que m'a quitté nous tout le monde avec volonté. M'a demandé Diak avec diaconesse s'il vous plaît, passez pour vous capable prendre enveloppe pour nous pour distribuer. Et pendant ça, moi j'ai une expérience m'a partagé avec nous. Moi profiter occasion pour me féliciter nous parce que au fond nous t'ai ramassé. Moi passé en était $372 malgré la pluie t'a tombé, nous t'ai fait compter fort nous. Qui t'aime dit nous? Les nous faisons bagaille pour bon Dieu, nous pas chambre perdre. Semaine passée, m'étais couché, bon minuit m'pas ka dormi. M't'a réfléchi avec un bagaille qui passait, de l'eau t'a coulé dans yeux. Les ou aidé avec tout cœur. Bon Dieu gon surprise pour en retour. Moi songé, gay un monde fou, yon machine t'écrasé. Yon l'autre monde fou pareil, il prend liberté, il mette le devant l'église. Moun fou sa te passé tout matin l'a crié parce que pied t'est cassé, poignet li t'est cassé, l'a baissé sang. Li pa jam jwenn moun qui t'est pour aider parce qu'elle fou. Mais gon famille qui t'est sorti. Qui t'a pral nan activité pa yo. L'elle sorti, il t'est wè moun fou sa avec sang sou li. Mari an t'est campé machine. Madame nan di poil, on nous mené l'hôpital parce que si l'a crié c'est parce que le bon bagay k'ap fè le mal. Famille santé prend moun fou ça. Dame ça yo té allé l'hôpital avec lui. Yo té fait le prend soin que lui-même lui supposé prendre. Avant famille l'a té déplacé. Yo té fait sonographie pour lui faire toute bagaille pour lui. Yo té assuré que yo mettait le coucher avant qu'il allé. Mais qui t'aime dit nous? Deux ou trois semaines plus tard. Famille n'a pas de connait s'il t'a pas tombé dans même situation à moun fou ça. Premier petit moun ça yo. Pendant le tapal l'école d'Ikini, petit lan te sorti non camionnette li saute